Salut les mecs, donc là on va traiter en fait l'arrière des épaules ici. Souvent on a l'habitude avec le développé couché de travailler la partie donc devant, antérieure. En faisant les écartés on va travailler donc la partie donc intermédiaire, des deltoïdes. Et en fait en effectuant ce mouvement, certes c'est un mouvement d'isolation, mais on va travailler en fait rattraper l'arrière des épaules. On peut très bien utiliser donc des haltères ou une couture, c'est dans ce cas là je vais vous montrer. On reste bien gainé pour travailler de façon bien isolée. On ne fait pas de balancer avec le corps. Comme on peut voir dans la vidéo, sur le mouvement, messieurs, on voit bien la contraction en fait, de mon delto postérieur contracté. Il va chercher la charge, il garde la charge toujours. Je travaille sur les deux distances. Une fois que je repars sur le point initial, je relance sur la même contraction et je maintiens la charge. C'est essentiel.